passé ta nuit ? Oula, mal encore. Il est où, Gino ? Il allait emmener sa sœur à l'école. Tu crois vraiment qu'il est prêt, Gino, pour aller à la mine ? Écoute, on en a déjà parlé, et tu sais très bien qu'on n'a pas le choix. Bonjour, papa. Tu reviens d'où, comme ça ? Je suis allé poser mes sœurs à l'école. Elles sont pas assez grandes pour y aller toutes seules. Vous allez pas commencer ? Bon, allez, moi, j'ai ma journée dans les pattes. Je crois que c'est bêtise. Je vais me coucher. Bonne nuit. Bon, allez, moi, j'y vais aussi. Et tu vas où ? Bah, faut bien que j'aille chercher à manger. Les femmes ne descendent pas au fond. Mais Giovanni m'y a amené une fois. Je ne saurais dire pourquoi, mais je m'y suis sentie bien. Giovanni travaille ici. Chaque jour, il risque sa vie. Chaque jour, il se tue à petit feu. Et chaque jour, je me demande s'il va simplement revenir. Maintenant, c'est mon propre fils que je vais attendre également. Ces heures d'angoisse dans ma cuisine, je n'en peux plus. La nuit, je rêve que les sirènes sonnent, qu'un contremaître sonne à ma porte et m'annonce le pire. Cette guerre, cette mine, cette misère. Que vais-je devenir s'ils meurent tous les deux ? Comment je vais pouvoir élever mes filles ? Cette vie est un enfer pour eux. Elle est un enfer pour moi. Femme de mineur, femme de seigneur, il n'est pas un jour où je me répète veuve de seigneur. Ça va, mon grand ? Ça va. C'est vrai ce qu'on dit, femme de mineur, femme de seigneur ? Tu sais, c'est pas une vie facile, hein. Ce qu'on entend en surface, c'est pas vrai. Ah ouais ? Tu vois les galeries ? Elles peuvent s'effondrer n'importe quand. Ça ne fait pas peur, ça. Hein. Ah ouais, mais tu peux mourir étouffé, assommé. Moi, je veux faire ce métier. J'ai ça au fond de moi. Eh ben, si c'est ton choix, bienvenue, Paris. Merci. J'ai ça dans le sang, le fond, la mine. Le danger permanent. Mon père s'imagine que je ne sais rien. Je sais parfaitement ce qui m'attend. Il ne me croit bon qu'à taper du ballon sur le terrain de football de Villars. Je veux lui montrer que je peux tenir une pelle, une pioche, et travailler dur, comme lui, mieux que lui. Le danger ? Je préfère descendre au fond qu'aller trimer dans les usines à cocu des boches. Mon avenir est là, dessous. Devenir un seigneur du fond plutôt qu'un clochard en surface. Et montrer à mon père que je suis meilleur qu'il ne le pense. Apporter à ma mère quelques sous en plus pour acheter un peu de beurre. J'en ai marre de voir mes sœurs ne pas manger à leur faim. J'en ai marre de bouffer du bouillon de légumes au pain du matin au soir. Je vais descendre et montrer qui je suis. Baptistina, quoi ? Je prépare une chaise. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a trouvé encore moyen de se blesser au foot. Ça va ? C'est mal. Elle va pouvoir aller travailler. Ben, devine. Ah, regarde. Il veut trouver moyen de rater son premier jour pour qui il veut nous faire passer. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Je vais aller prévenir le contremaître et lui dire qu'il va rater sa première journée de travail. Bravo, hein. Voilà, alors oui, Corio, voilà, c'est Marcel ici du 14e, la 14e Chana. On a des problèmes d'aérage, je doute que ça risque de s'aggraver dans peu de temps, donc il faudrait prendre une décision là-dessus. Il faudrait fermer la veine ? Moi, je pense qu'il faudrait déjà fermer la veine et faire des contrôles. On ne peut pas, Vichy nous impose des quotas. Est-ce que vous pensez que l'aération peut être réparée ? Ben, l'aération, elle n'est pas très bonne. Donc, je pense qu'il faudrait tout reviser l'aération. Hein.
Écoute, je ne me sens pas ce soir. Je pense que tu devrais rester avec nous. Et quoi, si je veux pas travailler, qui c'est qui va ramener le manger à la maison? T'y vas tous les jours, tu tues un peu plus tous les jours. Je pense que si t'y vas pas un soir, c'est pas grave. Et qui c'est qui va ramener de l'argent? Si tu veux compter sur notre fils, il s'est blessé, je te rappelle, il peut pas aller travailler. Faut bien que quelqu'un ramène de l'argent. Je sais pas, j'ai un pressentiment. Non, après ça rien du tout. C'est ma gamelle? Oui. Allez, j'y vais. Bonne journée. J'ai oublié ma gourde. Il fait tellement froid dehors, tout est gelé. T'es vraiment sûr que tu vas pas rester avec nous ce soir? Sûr, bah non, mais faut bien que quelqu'un aille travailler. Allez, j'y vais. À demain. Mon blé, je t'en place. Ici le pilote de la FAN, nous constatons un important dégagement de poussière de charbon dans nos aérations. Si vous êtes au niveau de la 24, quittez immédiatement le secteur. Je répète, quittez immédiatement le secteur. Thank you.
Allez, j'enlève toi. Non, 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 enlève toi.